Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur My Hero Academia The Strongest Hero Session Invocation. D'abord, on va partir en deux étapes. On va partir sur la première étape, donc tout simplement Premium. On va partir sur les cartes après. Et après, on va terminer avec le portail sur Aizawa. Donc, avant de commencer les invocations, je vous invite tout simplement à lâcher un maximum de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne parce que des vidéos comme ça, il y en aura plein, plein, plein. Ne vous inquiétez pas. 3, 2, 1, et c'est parti! Bah, je m'attends pas à avoir un gros perso ici, mais tranquille. Fallait s'en douter. Donc, là, on passe aux cartes. J'espère au moins 5 étoiles. Ça serait cool. Quatre étoiles, ok. Deuxième, quatre étoiles, ok. Bon, ça va, ça va. Ça compense. Et on va aller terminer sur ça. J'ai deux multi à faire. J'ai deux multi à faire, les gars. Est-ce que je vais le drop? On va voir ça tout de suite. 3, 2, 1. Oh! Oh! Non, c'est pas le seul. Yes! Première multi! Oh, yes! Et doublon sur Denki! C'est incroyable! Oh là là! Encore une dernière. Ok, triplon. Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh, j'y croyais pas. Oh là là. Oh, c'est incroyablement incroyable. Ah, on va aller voir ça. Déjà, avant de passer à autre chose. Avec le nombre de doublons que j'ai eu. Alors là, si je passe pas SS, intéressant. Ok, oh, ouais, ça passe crème, hein. Pas mal. Ouais, fallait s'en douter aussi. 13. Ok, ok. Maintenant, on va aller jouer. On va aller tout simplement tester le petit Aizawa qu'on vient de drop. Analyse, tranquille. Ah, mais là, je le passe easy. Mais je pense pas avoir les ressources. Je vais farmer en off. Je vais le farmer en off parce que... Oh là là, ça fait du bien. Oh là là. En plus, là, je le passe SS. Ouais, par contre non, bah trop tard. Ouais, j'ai pas les ressources nécessaires. Donc on va aller up en off. On va le test d'abord pour voir ce qu'il donne en PVE. Parce que comme je vous l'ai dit, je reste sceptique sur le perso. En plus j'ai pas mal de ressources. Ça va être intéressant. On va faire ça. On va se focaliser sur un seul. Ok. Une ligne par ligne. On va voir ce que ça donne. On va prendre ça parce que... Ouais, bah j'ai pas le choix du coup. Du coup, on va améliorer ça. Donc ça me fait deux persos S. Pour la team. On améliore tout ça. Et on va aller XP. Donc, je l'ai amélioré niveau 40. Je l'ai amélioré niveau 40. On va le tester rapidement. On va voir ce qu'il va donner. Donc j'ai pris
un niveau pas trop élevé pour pas que je me fasse arracher la tête, parce qu'il est que niveau 40. J'ai amélioré toutes ses compétences, j'ai amélioré aussi son arbre, enfin ses cellules, on va appeler ça comme ça. Ok, les compétences maintenant. Ah, il est fait pour le PvE. Hein. Il est complètement fait pour le PvE. Hein. C'est quoi ça? Ah, mais il est complètement fait pour le PvE. Il a clean ça très rapidement. Et en plus, je l'ai même pas amélioré au niveau maximum. Oh, c'est incroyable! On va le voir sur un vrai boss. On va voir ce qu'il va donner. Ok, lui en vrai, je commence à faire un petit peu de dégâts. C'est pas mal, j'ai quelques boosts supplémentaires. Ok, d'accord. Maintenant, on va passer au Denki que j'ai passé SS. Et j'ai amélioré qu'une cellule dans son arbre. Arbre de cellules, de compétences passives, amélioration de dégâts, de statistiques, etc. On va voir ce qu'il va donner. SS. On va voir un peu les dégâts. Sachant que je l'ai monté niveau 50. 60. 60 si j'ai pas de bêtises. Combien de dégâts? 2300. C'est pas mal. C'est pas mal. L'auto-attaque. Ah oui, il est critique, ça y va. Ok, on va voir cette compétence. 4000. Je vais retester avec la compétence ultime. Enfin, avec l'aura plutôt. Ah, ça rebug. Ok. J'ai raté ma compétence. Ouais, par contre, si j'utilise une compétence et je le one-shot juste, même avec sa garde. En même temps, c'est pas le niveau pour tester ce perso. On va le tester ici, lui. Le vrai choqué, je vais le faire demain. Après-demain plutôt. Ça serait plus correct. Oui, par contre. Ah ouais, il est complètement fait pour ce mode de jeu. Le PvE. Incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Bon, c'était le petit test du perso. Donc j'ai mis des cartes, je l'ai amélioré comparé à ses sorts, à son niveau maximum. J'ai up au maximum par rapport à son niveau. Donc niveau max partout, excepté pour l'arbre de compétences passives et d'amélioration de statistiques. Là, je suis un petit peu. Je reste un peu sceptique parce que pour le moment, vu qu'il n'est pas niveau max, je vois pas un petit peu, je peux pas analyser les dégâts au maximum. Surtout que je n'ai pas triple S, en sachant qu'il faut mettre un gros smic pour le mettre S, triple S. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était petit showcase, un tout petit showcase parce que là, il n'est pas niveau 60.
Même pas niveau. Enfin, non, normalement, je peux les monter niveau 70. Mais pour le moment, je reste sur ça. Perso très intéressant. Gameplay très assez correct. J'ai pas testé la compétence ultime. J'ai pas testé également l'aura. Parce que je vous prépare tout ça en showcase. Vous inquiétez pas. Sur ce, les gars, lâchez un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne. Rejoignez-nous sur le Discord. T'es à sèche du jeu FR, bien sûr. Communauté FR. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine.